Jacques, l'histoire de Bellounis est très compliquée et il y a beaucoup d'écrits par rapport à ça. Et donc, on veut savoir cette histoire, j'allais dire compliquée et un peu trouble, et le comportement ou la position de Bellounis par rapport à cela. Est-ce que cela est venu après l'affaire de Melusa ou après la découverte du pétrole? Et aussi les exactions qui ont été commises à Darchour, parce qu'on en parle beaucoup, peut-être on entend beaucoup et on lit beaucoup qu'il y avait beaucoup d'exactions, c'est-à-dire que Bellounis, il a commis beaucoup d'assassinats et contre de la population, et on veut comprendre et savoir. Oui, l'affaire Bellounis, effectivement, est compliquée, mais il se trouve qu'on a beaucoup de documentation. D'abord, la documentation des services militaires, et aussi, on a beaucoup de témoignages des gens qui ont été liés à cette opération, qui a été suivie de très très près par les autorités d'Alger, mais pas seulement. C'est-à-dire, l'affaire Bellounis apparaît à un moment bien précis, c'est au moment où le général de Gaulle fait son voyage en Algérie et il va à Sidi Messaoud et il explique en revenant à Alger que le problème algérien ne se réglera pas sans lui. C'est-à-dire que là, il a posé sa candidature. À ce moment-là, déjà, il prépare son retour. Et de ce point de vue, il a besoin, pour assurer que le pétrole arrive normalement, c'est une question stratégique. Il a besoin d'avoir le calme et la paix. Or, quelle est la position importante par laquelle le pétrole de Hassi Messaoud va transiter pour aller jusqu'à la mer? C'est précisément une zone que contrôle, sur laquelle Bellounis s'est replié après avoir été battu à Guernesey. Il s'est replié sur le sud. Et ce n'est pas par hasard non plus. Si c'est pour reprendre le contrôle des Aurès, qu'il y a eu le massacre de Mélouza. Donc nous avons, c'est une région stratégique pour se procurer les armes. Donc il y a ce contexte-là. Et à partir de ce moment-là, De Gaulle était informé du problème algérien. Il était informé notamment par Claude Gérard, qui est un ancien commandant de la résistance, qui est une gaulliste, qui était anticommuniste et qui considérait que le mouvement national des Messali Hadj était finalement une organisation démocratique. Pour la raison très simple, c'est qu'elle était très liée avec l'Union syndicale des travailleurs algériens, qui avait été fondée en février 1956 et qui collaborait, où elle travaillait beaucoup avec eux. Et Claude Gérard était très lié avec l'Afrique noire, notamment depuis qu'elle avait suivi les problèmes à Brazzaville. Elle était très liée avec le Rassemblement démocratique africain, le RDA, d'où Fouad Boigny, qui était un riche planteur d'EVA et qui a financé son CRDA, c'est-à-dire une association qui a financé pour la publication des journaux qu'elle sortait. Or, Claude Gérard, qui avait fait un voyage en Algérie pour s'assurer en 1956 de la réalité des maquis du MNA, avait envoyé toute une correspondance à Michelet, qui était en relation avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle connaissait parfaitement la position et il savait que finalement il y avait des messalistes qui n'étaient pas sur la même position que le FLN, et parmi eux, il y avait un certain nommé Bellounis. Or, la région par laquelle le pétrole devait transiter, c'était la région qu'il contrôlait, et à ce moment-là, donc, il y a l'idée qui commence à germer et qui va être reprise par des gaullistes militaires de contacter Bellounis. Ça se faisait régulièrement. Par exemple, en 1955,
l'armée a négocié avec Jean Servier en Kabylie pour la fameuse opération Oiseau Bleu. Hein. Bon, et puis finalement, les hommes de Krim Belkacem assassinaient des messalistes et ils disaient, vous voyez, on tue les rebelles, donc ils recevaient un matériel de guerre, etc. C'est comme ça que Amirouche, il a pu avoir s'équiper d'armes modernes pour aller exterminer les messalistes. Bon, il faut regarder ce qu'était qu'une guerre, hein, avec les contacts, les trucs, etc. Donc Benounis, lui, après le drame de Mélouza, il prend contact avec le capitaine Combet et il dit, moi je suis prêt à négocier, je suis pour une Algérie démocratique, je suis pour la fin de la guerre, je ne suis pas pour l'extermination des populations comme celle de Mélouza, il faut arrêter les problèmes, nous on est prêts à négocier finalement et à ce qu'il y ait la paix qui revienne en Algérie et qu'on donne la parole au peuple algérien. Il reprenait donc exactement le programme qui a toujours été celui du PPA, donc celui de Messali, quoi. Et puis, il a toujours été le programme du mouvement national. Donc, il y a eu des contacts qui ont eu lieu. Et avec des officiers gaullistes, quand même. Il faut bien voir ça un peu, la dimension gaulliste du problème. Et donc, le contact, il portait sur des questions strictes, c'est-à-dire des accords militaires, puisque des deux côtés, il n'était pas question de régler ou de faire un interlocuteur valable ou de régler le problème politique. C'était uniquement un accord tactique, militaire, pour permettre au pétrole d'arriver jusqu'à la mer. Donc la discussion, elle a eu lieu. On connaît exactement les termes de l'accord. Ça fait l'objet d'un procès-verbal qu'on peut consulter, d'ailleurs. Il est dans les archives, ça se consulte. Benounis s'engageait à pacifier une région très large, c'est-à-dire toute la région qui était une partie du Sahara, la région, pour permettre finalement l'évacuation du pétrole. Il n'était pas contre. La contrepartie, c'est qu'il ait les moyens pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que, premièrement, on lui permette d'élargir la zone qu'il avait. Et effectivement, on a une carte de l'expansion des maquis de Benounis. Il avait un état-major, c'est-à-dire il a fait ce que Ben Bouloïd voulait faire, c'est-à-dire une IDARA, c'est-à-dire un état-major, qui était ouvert, bien entendu. Et l'objectif, c'était de pacifier le pays pour qu'à l'issue de la guerre, il puisse y avoir des élections libres et démocratiques selon le programme du PPA. En contrepartie, il recevait des armes, des camions. Il a reçu des mitrailleuses lourdes, 12-7 et d'autres. Et il avait installé son poste, son état-major à Diyar el-Chouk. Et Diyar el-Chouk, il était totalement indépendant. C'est-à-dire, quand il allait en opération pour élargir son territoire et lutter contre le FLN, notamment en Oranie ou dans le sud de l'Oranie ou de l'Algérois, il a informé finalement les correspondants de guerre qui étaient avec lui. Et de ce point de vue, il a élargi cette zone qui était considérable. On a une carte, la carte est accessible, hein, elle est publiée, et on voit très bien qu'à ce moment-là, il a pratiquement un cinquième de l'Algérie sous le contrôle de ses troupes. Voilà le problème. À Diyar el-Chouk, on a des photos. À Diyar el-Chouk, il y avait un seul drapeau. Le drapeau algérien. Il y avait les tampons, c'est les tampons de la LN-MNA. Et toute l'administration, c'est-à-dire la population, etc., il y avait une réglementation qui était organisée, à savoir que la population, elle était, bien sûr, il y avait une taxe. Il payait une taxe, mais assez modique, mais en contrepartie, il assurait la paix. C'est-à-dire qu'il y avait une symbiose très étroite entre, d'une part, les soldats,
a été jusqu'à 350, 400 et davantage même de soldats, parce qu'il y avait au flux des gens qui étaient un peu des opérateurs provisoires. Il y avait tous les villages qui ont été contrôlés par Bélonis, l'armée de Bélonis, et qui étaient finalement solidaires. Comment on le sait? On le sait par la presse coloniale. La presse coloniale est furieuse, elle n'arrête pas d'envoyer des rapports pour dire que Bélonis, il est en train de créer avec la population des relations très pacifiques, il est en train d'administrer, de se substituer à nous pour organiser l'administration et que la gestion municipale, notamment les impôts qu'il prenait sur les marchés, etc., et que la population était très satisfaite parce que le FLN procédait autrement. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'articles dans la presse algérienne, dans l'Écho de Rome, dans d'autres journaux, pour montrer que la population, il y avait une adhésion considérable, totale, de la population algérienne aux initiatives de Bélonis. Ça, c'est important. Donc, bien entendu, la presse coloniale, les autorités font pression pour que le drapeau Félaga, comme il disait, soit retiré de... C'était la première fois qu'il y avait un drapeau algérien sur une unité militaire. Et une force militaire, on a des photos là, 400, 500, jusqu'à 1000 hommes, donc ils sont organisés avec leurs mitrailleuses, leurs trucs, leurs camions, GMC, etc. Et il y a le drapeau algérien, et l'uniforme algérien est partout. Donc, vous voyez les réactions que ça a entraînées. Donc, ça c'est important, pour comprendre la suite. Parce qu'à partir du moment où on est dans une situation de crise politique en France, parce qu'après la chute de Guy Mollet, il y a pratiquement la crise politique totale en France. Donc on est dans ce contexte-là. Hein. Et donc à partir de là, il y a le problème qui se pose au MNA. Et qui se pose notamment à un moment où il y a la tenue du congrès de l'USTA en juin 1957. Et donc déjà, la force de l'Armée nationale populaire, la NPA, est déjà bien structurée, bien organisée, c'est une véritable armée. Mais comme il y a le drapeau algérien, donc, en particulier Filali, qui s'occupe aussi des questions militaires de l'Algérie, reçoit des rapports. Et ces rapports sont envoyés directement de Bélonis à Claude Gérard. Et moi, j'ai recueilli une documentation donc, qui fait partie d'un dossier que je possède sur la correspondance entre Bélonis et Claude Gérard, qui était ensuite remise à Filali. Et j'ai eu accès à cette documentation et notamment aux photos qu'il a envoyé pour bien montrer que la NPA n'était pas du tout un groupe sous la direction de Mao Dai, mais qu'elle était une armée algérienne avec un drapeau algérien et qui se battait pour une indépendance de l'Algérie de tous les Algériens. Donc c'était ça dans tous les documents qui étaient envoyés. Cela dit, on est dans une période de crise politique en France. Et au moment où se tient le congrès de l'USTA, Filali se pose le problème donc que demain ça va exploser et quelle solution politique en Algérie. Donc on a une carte militaire, et donc pour entrer dans des futures négociations avec le gouvernement français, quelle est la position de Bélonis. Et donc les rapports qu'il reçoit, notamment de la part de Naït Mazi, qui était venu de Paris pour et qui sera officier finalement auprès de Bélonis, les rapports qu'il a envoyés, que j'ai eu entre les mains, c'était des rapports qui parlaient des questions techniques, militaires, etc. Mais sur la question fondamentale, quelle était la position de Bélonis par rapport au MNA, c'est resté flou.
C'est-à-dire, Bellomnès voulait avoir une autonomie, une autonomie, mais pas une rupture. Une autonomie dans la mesure où il voulait être l'interlocuteur, et donc se démarquer du FLN, et donc d'apparaître comme étant quelqu'un de beaucoup plus démocratique que l'était la Van Ramelaan ou les autres. C'était ça. Et il y avait un accord politique. Un accord politique sur la question du pétrole. Donc c'était important. C'était jusqu'où allait cet accord. Jusqu'où la coopération allait se développer. Et quelle serait la position dans le cas où les négociations existeraient entre le gouvernement français et d'autre part les rebelles algériens. Et donc de ce point de vue, dans tous les rapports qui étaient envoyés, il y avait beaucoup d'informations sur les opérations militaires, sur le ravitaillement, sur le reste, sur la population. Il n'y en avait aucun qui réponde à cette question. C'est la raison pour laquelle je discutais avec Fidali, puisque j'étais à l'Union syndicale des travailleurs algériens. Il me dit au bout d'un moment, il me dit, bon écoute, là, tu viens de recevoir ta feuille de route pour aller à l'armée, tu ne vas pas aller à l'armée, tu vas aller chez Bellomnès. Oui, mais je vais chez Bellomnès pour dire quoi? Il me dit, écoute, tu viens de participer au congrès de l'USTA, tu as été associé à ce congrès, ça fait déjà un an que tu bosses avec nous. Moi, j'ai totalement confiance, à la fois dans ta sincérité et dans ta capacité d'analyser les situations politiques. Donc, tu vas aller simplement comme détaché, pas avec un poste officiel, mais détaché au nom du MNA, et aller à Diyar el-Chouk pour nous faire des rapports politiques sur savoir exactement est-ce que Bellomnès joue un jeu politique personnel, est-ce qu'il est entraîné par le fait qu'il a maintenant la gestion d'une zone territoriale très importante, et est-ce que finalement il aurait l'ambition de devenir l'interlocuteur en se détachant de Messali. C'était ça la question politique à laquelle il fallait répondre. Et donc moi je me suis préparé, quelques mois après, c'est-à-dire la fin septembre, quand je rentre en Algérie donc pour aller à Diyar el-Chouk, je m'arrête à Alger, et puis là, quelqu'un qui m'escortait, il me dit « Non, là, en ce moment, on a des problèmes. Il vaut mieux que tu passes par Tiaret, qu'il y aille voir tes parents, et on te recontactera. » Et donc, moi, j'ai été contacté, je suis allé directement à Diyar el-Chouk. Je suis allé voir mes parents, et je suis allé à Tiaret. J'ai été contacté par un gars, un messaliste, et qui me dit « Il y a des problèmes. » C'est-à-dire que là, il y a des désaccords politiques, et y compris, il y a des règlements de compte. C'est-à-dire que là aussi, il y a des morts. Il y a des positions qui n'ont pas été comprises, et pour en rien, on s'excite, il y a toujours des problèmes comme ça. Des règlements de compte, qui contre qui? Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y avait une tendance qui était beaucoup plus... Il y a toujours des frictions et des problèmes dans une armée. Surtout une armée qui n'était pas régulière. Donc il y a des gens qui contestaient le pouvoir de Bellomnès sur tel ou tel point, sur différents points, etc. Il y a eu quand même des divergences. Ce n'était pas une armée régulière, c'était une armée de militants, donc ils parlaient. Et il y avait des fois des désaccords qui intervenaient. Des gens gradés au niveau de... Et il y avait des gens gradés, c'est-à-dire qu'il y a eu des accrochages qui ont eu lieu, des ultra-messalistes, si on peut dire, ou des gens qui contestaient le fait qu'on est un général. Bon, c'est-à-dire, on est tous des militants, et il n'y a pas d'hierarchie militaire avec une réglementation quasi-militaire. C'était pas ça. Donc ils contestaient son autorité ou... Ils contestaient, je crois, principalement son autorité. C'est-à-dire le fait qu'il désignait peut-être des officiers qui n'étaient pas les meilleurs, ils contestaient, il y a toujours des problèmes. Et puis... gérer une zone très large sans avoir un appareil administratif, ça entraîne toujours des frictions, des tendances, des oppositions, etc. Il y a eu la combinaison de beaucoup de facteurs qui sont intervenus
pour expliquer qu'il y a eu des bisbilles à l'intérieur. Est-ce que c'est ça qui a causé ou qu'il y avait beaucoup d'exactions, dont à Darfour? Alors, je pense profondément qu'il y a eu, d'abord, premièrement, il y a eu le FLN qui n'est pas resté indifférent. Le FLN a envoyé quand même pas mal de personnes, parce que la guerre, notamment, surtout de la wilaya d'Orani, qui était limitrophe. Donc les accrochages se faisaient toujours à la frontière entre le... entre la zone la wilaya 1 et la wilaya de Bellounis et celle de Dorani, qui était sous le contrôle de Boussouf. Et donc là-dessus, il y a eu à la fois des questions de règlement militaire, donc il y a eu des guerres, quoi. Une guerre, il y a des morts, donc voilà, qu'on appelait les exactions. Il devait y avoir aussi, très vraisemblablement, il y a dû y avoir la combinaison de plusieurs facteurs, de mécontentement ou de pacification ou de crainte du FLN voilà, qui a joué. Donc, il y a eu des exactions, comme on dit. C'est-à-dire, il faut voir la nature de ce que c'était, il faut voir le nombre et il faut voir dans quelles conditions ça s'est produit. Moi, en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'était qu'il y avait un problème de réorganisation et que je n'étais pas le mieux placé pour intervenir dans la mesure où j'étais un élément extérieur à cette histoire et que je risquais de finalement faire les frais de cette opération. Donc moi j'ai envoyé une lettre à Paris, et à Paris on m'a dit tu restes, tu bouges pas. Tu bouges pas, on va attendre que les choses se décantent. Et elles se sont décantées assez rapidement. Parce que le 9 septembre 1957, le 9 septembre 1957, Bellounis a rompu avec l'armée française, il a repris les armes et il s'est lancé donc sous le drapeau algérien en faisant une déclaration pour dire qui lui, il était pour la pacification de l'Algérie, pour qu'au lendemain, il y ait des élections libres de tous les habitants de l'Algérie, européens, juifs et musulmans, c'est-à-dire le programme du MNA. Donc il est mort, les armes à la main, et c'est la raison pour laquelle, dans la presse du MNA, il y a eu un hommage qui lui a été rendu quand même, qui a été rendu à l'homme qui a créé une ANPA avec le drapeau algérien au-dessus. Justement, est-ce qu'on lui a demandé à la fin ou lorsqu'il a repris le combat le 9 septembre 1957, est-ce qu'on lui a demandé comme Qobuz, il a rallié, est-ce que Bellounis, on lui a demandé de rallier catégoriquement l'État colonial? Oui. Et d'enlever le drapeau algérien et mettre le drapeau français, parce qu'il y a un souci ici. Oui, il y a une campagne de presse considérable qui était à Alger pour dire on n'accepte pas de faire la guerre avec un drapeau FLN. C'est pas possible. Faut pas oublier qu'il y avait la crise politique en France. Hein. Et que donc, il y avait la volonté de court-circuiter, d'ailleurs, y compris les officiers qui étaient gaullistes, et qui dit non, il faut maintenir l'opération Olivier, pas de problème, le truc, etc. C'est un gars qui est de toute façon qui est contre le FLN, donc il est bon. On peut garder cette carte entre les mains pour négocier. Mais à partir de la fin 1957, c'est-à-dire commence le complot, c'est-à-dire dans le même temps qu'il y a le gouvernement français qui capitule par rapport à la demande des Américains et des Anglais sur le problème de Saqqed Sidi Youssef. Donc il se pose comme médiateur, les bons offices, la fameuse opération de Mouville. Le gouvernement de Félix Gaillard accepte, donc il est démissionné. Puis ensuite, il y a le gouvernement de Fimelin qui est là, qui lui, pour reprendre des négociations avec le FLN, et donc la marmite d'Alger, elle commence à exploser. C'est-à-dire, c'est au moment où le général de Gaulle, qui est quand même pas innocent, prépare son retour, c'est-à-dire à la fin 1957, comme par hasard, à ce moment-là, d'après moi, ce que je sais, mais je n'ai pas de documents, ce que je sais parce que par l'intermédiaire de Claude Gérard, qui me l'a dit,
qui recevait d'ailleurs la correspondance qui correspondait avec Bélonice. Bélonice aurait dit, au moment où il a fait la demande de se rallier, d'abandonner le drapeau algérien, etc., il aurait dit non, moi je vais avoir un contact avec le général de Gaulle. Et là on lui a dit, général de Gaulle, ouais, rien du tout, tu te rallies comme Cobus, ou alors on te liquide. Il a dit, dans ces cas-là, il s'est retiré et il a dit, je reprends les armes et je combats. Et il a envoyé une déclaration, une mise au point, pour expliquer qu'il n'avait pas du tout l'intention d'être un Baodai, ce qu'on voulait faire de lui, mais que lui, il continuait la cause pour laquelle il était entré dans la lutte armée. Justement, Jacques, je reviens sur les rapports qu'envoyait Nait Mezi à Filali. Oui. Je suppose que c'est Filali qui lisait les rapports. Et qui n'était pas convaincu par le contenu de ces rapports-là. Et c'est pour ça qu'il vous a envoyé, vous, pour savoir, ou avoir le cœur net par rapport à ce qui se passe à Darchour. Oui, c'est-à-dire qu'il voulait savoir, parce que, bon, il y avait aussi beaucoup de rumeurs, notamment dans la presse de gauche, dans l'Observateur, le truc, qui expliquait qu'on avait trouvé un Baodai. C'est-à-dire que le gouvernement français, il ne voulait pas négocier avec le FLN, mais il avait trouvé un Baodai qui était finalement Bélonice. C'est la presse de gauche qui mettait le paquet là-dessus, la presse de gauche et la presse d'Alger. Donc à partir de ce moment-là, toutes ces rumeurs, tous ces mouvements, Bélonice n'était pas un homme politique, il n'avait pas fait un journal. Par contre, le MNA avait fait un journal, c'était le Sahara, à la demande d'ailleurs de Claude Gérard, en disant De Gaulle est intéressé de savoir ce que pense Messali sur le problème du Sahara. Et donc à l'époque, moi j'ai été chargé avec Filali de mettre sur pied un bulletin qui s'appelle le Sahara avec une interview de Messali. Sur lequel c'était très clair. Donc il y a beaucoup de points qui expliquent pourquoi, en définitive, les problèmes politiques se sont posés pour savoir très précisément jusqu'où on pouvait aller dans la négociation, y compris avec le général de Gaulle, qui se préparait à revenir au pouvoir, et sur lequel Claude Gérard expliquait qu'il était intéressé par les problèmes de Bélonice et du MNA. La preuve, c'est qu'il avait fait une première déclaration, notamment le 16 mai 1958, il envoie un émissaire à l'ambassade américaine et pour lequel il dit que lui, il est pour un Commonwealth franco-algérien. Donc il n'a pas inventé ça, le Commonwealth franco-algérien. Ça veut dire qu'il avait toute la correspondance que lui a envoyé Claude Gérard, il l'a eu entre les mains. Et à un moment, il a pensé que effectivement, ça pouvait être une solution. Il a pensé à un moment. Et puis après, quand les événements se développaient, il a regardé la situation internationale, et il a changé d'opinion, et puis voilà. Dans la presse, c'est une autre histoire. Enfin, je parle du début. Et à ce moment-là, quelle a été la position de Messali par rapport à cette affaire-là? Messali, il avait confiance dans Bélonice. Il savait que ça avait été un militant, qui avait combattu finalement contre le FLN, notamment Genzet. Et Genzet, c'est pas rien. C'était un fief de l'étoile nord-africaine. C'est la ville de Kerala Reski. C'est pas rien. Donc, finalement, il a été écrasé par les forces de Amirouche, approvisionné par les armes françaises, affaire de oiseau bleu. Et il est descendu vers le sud, au Mal, tout ça vers le sud, pour se rapprocher et notamment de s'appuyer sur les Aurès. Les Aurès, mais il n'était pas en désaccord non plus avec, il y avait des liaisons aussi avec la Wilaya 2, avec le Nord Constantinois. Les liens, ils n'ont pas été rompus. C'est-à-dire tout le travail. Avec Zeroud, quoi. Oui, avec Zeroud qui était mort. Donc c'était avec Kafik, le responsable militaire. Voilà. Donc il y a eu, il faut voir la complexité des choses pour pas penser qu'il avait des contacts. Il avait tous les gens qui avaient Ziane et les autres.
ils avaient gardé des liens avec non seulement les Aurès, mais aussi avec le Nord Constantinois. Donc ils avaient participé ensemble au 20 août 1955. Hein. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc voilà. Pour poser.